on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo haul loisirs créatifs, comme vous avez vu. Je la commence et je la terminerai pas, donc je vous dirai pas au revoir, pas tout de suite, parce qu'il manque une petite chose, mais je voulais vraiment filmer ce que j'ai sur le côté pour pouvoir ensuite mettre mon carton au point tri, enfin voilà, des choses comme ça, et ranger, voilà, tout simplement, et utiliser les choses. Là pour l'instant vous allez voir du Action et du Stampin' Up. On va commencer par Action. J'ai trouvé ces petits petites feuilles autocollantes. Je trouvais que c'était sympa. Enfin, il y a des couleurs qui ne me plaisaient pas du tout. Mais du coup celle-ci, je trouvais que les couleurs étaient vraiment magnifiques pour mettre sur une créa. Donc c'est 13 cm sur 25 cm. Donc il y a deux feuilles. Donc voilà, deux feuilles d'autocollant avec des paillettes, découpées de jolies formes et des bords décoratifs et collées sur une surface lisse. Donc je trouvais que c'était vraiment sympa, que les couleurs étaient sympas. Il n'y en avait qu'un dans ce coloré-là, sinon j'aurais pris un autre je pense. Alors j'ai acheté ça, alors j'en ai pas du tout l'utilité, voilà, ça fait partie des choses. Mais bon, j'avais envie de tester parce qu'il y a trois types de mousse, donc ça m'intriguait. Bon, c'était moins d'1 euro, j'ai pas le ticket, mais c'était moins d'1 euro. Donc voilà, c'est trois types de mousse qui vont sur le support. J'en ai pris qu'un, voilà, vous voyez la différence. Donc je me dis que j'allais tester. J'ai pas vraiment regardé de vidéos. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui les ont présentées, mais les vidéos haut l'action toutes les semaines, voilà, je suis pas dans, enfin j'en regarde très peu. J'aime bien la vidéo haul, mais pas que de loisirs créatifs, parce que j'utilise très peu de choses en loisirs créatifs. J'ai pris cette pochette-ci, je la trouvais magnifique. Elle existe aussi en vert, mais le vert, je n'aime pas du tout. Et en fait, dedans, je vais y mettre... Ah, c'est cool. Ça, je vais garder. J'en aurai besoin. Je vais y mettre le planeur que j'avais trouvé la dernière fois. Je pense pour le ranger, et ça fera une super pochette. Bon, bah, du coup, ça, je vais le garder. Alors j'ai acheté un truc que je n'ai pas du tout l'utilité, mais je le trouvais trop beau. En pilou-pilou, un notebook en pilou-pilou, avec des lignes. Là vous avez vu, il y a l'élastique, je le trouvais trop beau. Donc 15 x 21 cm, mais il est vraiment trop beau. Il était perdu comme ça dans un coin, dans un rayon, rien à voir avec la papeterie. J'ai repris des petits stylos, voilà, j'ai trouvé joli, je les avais en vert et en bleu. Bah, il m'en reste plus qu'un, je crois, parce que je les ai emmenés un petit peu au travail. Voilà, puis vu le prix, c'est très bien si on me le pique ou si je le perds. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris cette boîte, en fait, c'est pour y mettre... comment ça s'appelle? Les paillettes... pas les paillettes. Les flocons de dorure de chez Stampin' Up pour mettre les créas, parce que j'avais une boîte qui était la moitié de ça, et ça faisait pas la taille de ma carte. Alors j'ai galéré un peu, j'en mettais partout. Alors c'est vrai que c'est disproportionné par rapport au pot de paillettes comme ça, mais au moins je pense que j'aurai beaucoup moins de pertes. Et puis voilà, je range avec le pot de paillettes, les paillettes, le pinceau, voilà, je range, c'est réglé, je le mets dans un petit coin, et voilà. Et donc ça, c'est une boîte normalement. Voilà, je ne vais pas y mettre des chaussures, mais là je pense que ça passe pas les chaussures, voire des vraiment très fines. Les baskets, c'est sûr, ça passe pas. Et donc c'est 5 litres. Ouais, effectivement, 5 litres, c'est... Mais je trouve ça très pratique. Et j'ai pris ce papier-là, mais qui n'est pas du tout pour moi, que je vais donner à ma soeur. C'était pour elle, elle le cherchait. Il est très automnal, et en fait, elle aimait bien, je crois... Bon, je sais pas, elle aimait bien... elle en aimait bien plus. Et il y en a avec ou sans foil, un esprit bois. Avec foil, hop, celui-là sans foil. Les étiquettes, avec et sans foil. Là, des feuillages, il est très beau celui-là avec le foil. Et je crois que c'était ce papier-là qu'elle aimait beaucoup. Celui-là et celui-là. Voilà. Bon, ça, j'aime pas trop. Après, c'est pas pour moi, alors on s'en fiche. Celui-là, il est sympa. Voilà, c'est pas pour moi. Celui-là, j'aime pas. Mais voilà, c'est pas pour moi, ça tombe bien, non? Voilà, il y a des petites aussi. Je le connaissais pas, hein. C'est parce qu'elle m'en avait parlé. Et quand j'y suis allée, je l'ai vu, je l'ai appelé en visio, et elle m'a dit oui, c'est celui-là. Donc voilà, celui-ci. Mais je l'avais jamais vu avant. Après, chez Stampin' Up, qui vont être très surpris de mes choix, parce que j'ai longuement hésité. Alors, j'ai repris du papier blanc.
Donc là, c'est le blanc simple. C'est celui qui vient de sortir, qui remplace le murmure blanc. Parce qu'il me reste très très peu de papier blanc. J'ai pris la poudre à chauffer collante, qui vont donc avec les dorures de chez Stampin' Up. Les feuilles, les dorures là. J'ai pris une recharge d'encre pétale de rose parce que je fais de temps en temps, j'en achète un de temps en temps pour faire pas ma collection parce que c'est pas une collection, mais pour les avoir toutes avec mes pattes d'encre pour que ça dure aussi longtemps que possible. Hop, j'ai pris cette perfo. Elle existe avec un tampon, le tampon j'aime moins, mais cette perfo pour les étiquettes je la trouve vraiment super, donc du coup j'ai pris la perfo. Alors ça, c'est le cadeau que j'ai choisi. Je le trouve magnifique et vraiment en double tamponnage, soit ça, ça ou ça, en fond, avec de la dorure, avec de l'encre, enfin franchement, je le trouve magnifique. Meilleurs vœux, merci mille fois, amour, une pensée pour vous, mon ami, espoir. Enfin, je le trouve très très beau ce tampon, il est magnifique. Et après, donc j'ai pris cette... Hop, j'ai enlevé le papier là. J'ai pris cette collection là qui peut surprendre parce que c'était pas du tout mon choix premier. C'était celle avec les glaces, mais j'ai vu pas mal de choses qui m'ont bien bien plu. J'avais dit que je le prenais pas avant allez, entre guillemets, beau jour, enfin le printemps. J'ai un peu craqué, j'avoue. Les textes ici me plaisent énormément, le papier me plaît énormément. Donc il y a le ruban que j'ai trouvé magnifique avec cuvée de cassis, les petits, on va dire des petits sequins, comment appelle-t-il ça, des paillettes, l'été de glace, point shaker, et la perfo, vous savez mon amour pour la perfo. Donc là, il disait qu'on peut faire une tête de nounours, les deux, ça fait le cornet de glace avec la glace, on peut y faire des petites choses assez sympathiques. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est ce papier. J'ai pas du tout pris la collection. Papier de la série Design Sable et Mer, mais je trouvais que le papier était magnifique et je le vois beaucoup en fait pour un mini album ou un album, voilà, je vous dis tout hein. Et du coup voilà, je l'ai pris et je me dis, je voyais déjà ce que j'avais envie d'en faire, voilà. Donc du coup voilà ma commande que j'ai acheté là juste avant la fin des Celebrations, parce que la fin, enfin là à l'heure où je filme, c'est fini demain. Oui, c'est ça. Je pense. Hein. Si ça va jusqu'au dernier jour du mois, c'est ça. Mais j'avais vraiment, voilà, je voulais faire une dernière commande et profiter, voilà, pour avoir voilà, ce tampon-là. Et puis voilà, mais je vous dis pas au revoir parce qu'il y a une petite chose qui arrive derrière. Allez, on se retrouve juste pour la suite du haul. Du coup, j'ai commandé dans mes pochettes, je ne sais pas si vous verrez bien, donc c'est dans mes pochettes. J'ai déjà commandé plusieurs fois chez elle, j'aime beaucoup beaucoup, donc c'est Perrine, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et les articles en fait qu'elle vend, et je l'ai déjà rencontré sur un salon, mais j'hésite, je ne sais plus lequel des deux salons, à Paris je pense. Alors j'ai pris je perds mes mots, des coins en fait d'albums ou mini-albums. Moi j'utilise surtout sur les mini. Donc la marque Zibuline, donc c'est vendu par 4. Donc là j'ai pris pas voilà, un gris anthracite et là couleur chrome en fait. Voyez. Voilà. J'en ai déjà utilisé pas mal en mois de décembre. Donc ça c'est son petit cadeau. C'est des étiquettes. Le petit cadeau du colis. Merci pour votre confiance, Perrine. Donc là on peut le découper, mettre sur ses projets, ses mini. Ces cartes. Et j'ai pris un kit. Faut que j'imprime d'ailleurs le tuto. Un kit de mini-album avec, vous voyez, une fermeture style classeur avec des feuilles. Les papiers, j'adore. En plus, c'est des papiers Vicky Boutin. Je pense qu'en papier, c'est ma... Hormis Stampin' Up, c'est la marque que j'adore. Voilà. En premier, j'adore les papiers de Stampin' Up, la qualité, les couleurs qui sont coordonnées à mes encres, j'adore ça. Mais Vicky Boutin, elle fait des papiers vraiment sublimes et j'adore cette marque. Et donc, je remettrai dedans
Ça, je classe vraiment par mini. Après, je mets dedans les feuilles du tuto. Alors, le papier, il a un toucher. On dirait du tissu. Voilà. Voilà. C'est très, très, très coloré. Je trouvais que ça faisait très printemps-été. Enfin, surtout printemps. Papier bleu. Papier blanc. Papier blanc. Papier blanc. Et ce papier là aussi avec des étiquettes ou le papier. Hop. Comme partout. Hop. Donc il y a les étiquettes dans mes pochettes. Il y a les coins, vous avez vu, d'albums là. Voilà, qui sont plus grands que ceux que ça j'utilise. Tous les mini sont parfaits, donc je pense que là c'est vraiment pour les albums. De la corde et puis de la ficelle bicolore. Les embellissements en bois. Et ça, c'est des rivets pour le système de fermeture, qui est ceci. Qui se met avec les petits rivets qui sont là. Des sequins. Ah, il y a peut-être un shaker. Donc là, il y a une planche de tampon. J'avoue, je ne suis pas méga, méga fan. Mais bon, après, il faut voir dans l'album ce que ça donne. Et puis, des crystal drops. C'est pour faire les petites gouttelettes. Et là, c'est apple green. Donc ça, je ne l'ai pas. Et ça, j'en ai qu'un, en fait. Je l'ai utilisé 3 fois dans ma vie. Donc, on verra bien ce que le mini... Voilà. Bon, vous le verrez. Alors, je pense que c'est pas dans mes projets pour février ni pour mars. Que je me fais des projets. Parce que sinon, je commence tout, je termine rien. Mais voilà, je pense que je vais le faire plutôt avril ou mai, enfin vraiment quelque chose au printemps, avec des photos de printemps. Là, en ce moment, c'est plutôt des photos de 0 degré. Donc voilà. Donc voilà pour ce kit. Si j'arrive à trouver une photo, je vous l'insère pour vous montrer ce que ça donne. Parce que je ne l'aurais pas fait, mais du coup, voir si je peux trouver ça sur internet. Allez, c'est tout pour le haul, et je vous dis à bientôt.